arrivions d'un pays sans lumière, nous naviguions sans but près de la terre, quand apparut au détour d'un nuage devant nos yeux un pays bleu, un monde à part, perché sur un nuage. Ce monde à part est un petit village qui en secret flotte autour de la terre. Viens avec nous au pays doux, au pays fou. La joie s'est installée dans les maisons où nous t'attendons. Si nous sommes pathos, c'est pour te faire rire. Si nos histoires t'amusent, tu peux applaudir. Mais surtout, n'oublie pas que dans les nuages, il y a ton village. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Patanok. Soyez les bienvenus sur le village dans les nuages. Oh, je sais. Un village qui flotte doucement sur un joli nuage blanc, cela paraît incroyable. Mais ne vous en faites pas, je vais vous raconter ce qu'il s'est passé. Patanok, je te cherchais partout. Tu viens jouer avec moi? Pas maintenant. Tu vois bien que je suis occupée. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Je raconte l'histoire de notre nuage à de nouveaux amis. Tu as parlé de moi, bien sûr. Non. Pourquoi? Il n'y a rien à dire sur toi. Comment? Il y a plein de choses à dire, au contraire. D'abord que je suis ta meilleure amie, que je suis jolie, drôle, intelligente. Bon, d'accord. Mais ça n'intéresse personne. Ce que je veux raconter, c'est comment notre village a fait pour monter de la terre. Mais c'est la meilleure. Je m'en étrangle d'indignation. Comment pourrais-tu raconter cette histoire? Tu n'étais même pas là quand cela s'est passé, hein? Ne vous fâchez pas, Emilien. Je ne savais pas que vous étiez là. Mais vous avez raison. C'est à vous de raconter cette histoire. Nous vous écoutons. Il n'en est pas question. Pourquoi faites-vous la mauvaise tête, Emilien? Tu trouves normal que Patanok ne m'ait même pas présenté? C'est vrai, Emilien. Excusez-moi. Chers amis, Emilien est un des terriens que nous avons trouvé en arrivant sur ce nuage. Il habitait déjà le village quand celui-ci est monté dans le ciel. Il grogne tout le temps, mais au fond, je crois qu'il est très gentil. Mais attendez. Pour mieux comprendre l'histoire d'Emilien, il faut que je vous parle de nous, les Abas. Nous venons d'une planète très lointaine. Si nous nous sommes installés sur ce nuage, c'est parce que notre grand vaisseau spatial est tombé en panne, non loin de la Terre. Et nous ne le regrettons pas. Oh, Patanok, Luca, mais qu'est-ce que vous racontez tous les deux? Ça, c'est mon père. Il s'appelle Paltok. Mais moi, je dis Paltokpa. C'est comme ça que les enfants appellent leur père sur notre planète. Eh bien, Patanok, tu me réponds? Oui, Paltokpa. Je voulais raconter notre histoire à de nouveaux amis pour qu'ils nous connaissent bien. Mais ce sera beaucoup mieux si nous sommes tous là. Tirok, Calamine, venez! Me voilà! J'arrive! Oh, dites, c'est moi qui parlais! Non, c'était Patanok! Je ne vous parle pas! Quand même pas fait venir pour me taire! Mais enfin, j'arrive, moi! J'ai plein de choses à dire! Mais je voudrais bien voir ça! Je crois qu'il vaut mieux les laisser se disputer! Tu as raison! Mais en attendant qu'ils se calment, tu pourrais peut-être chanter à nos amis ce que tu vois, quand nous regardons sous notre nuage, à travers le vidéotélescope! C'est d'accord! Le temps d'écrire cette chanson, j'ai fait deux fois le tour de la terre. Je n'ai pas d'avion à réaction, mais un nuage qui flotte dans l'air. Ici je joue à regarder ce qu'il se passe sur votre planète. Il y a mille paysages qui défilent sous mon village. Il est vraiment beau votre monde, vu d'un nuage qui vagabonde. Et tant pis si c'est un mirage, une histoire pour les enfants sages. Mais quand on vit sur un nuage, on est un peu dans les nuages. Je ne
sais pas encore très bien comment vous vivez sur votre terre. Pour moi, elles ne servent à rien, ces lignes que vous appelez des frontières. Et quand je plane tout là-haut, je n'entends pas les bruits de la guerre. Vous verrez tous ces paysages qui défilent sous mon village. Il est vraiment beau votre monde, vu d'un nuage qui vagabonde. Il est vraiment beau votre monde, vu d'un nuage qui vagabonde. Bravo, 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 bravo. Très bien, Patanok. Ta chanson nous a donné le temps de nous mettre tous d'accord pour présenter le nuage à nos amis. Oh, ça suffit, assez parlé. Je commence. Un instant, Emilien. Il faut d'abord retourner le disque. Oh, je n'ai que des contrariétés, bougre bougre. À vous, Emilien. Ce n'est pas une plaisanterie. Mais non. Bien, merci, Calamine. Et soyez bon. Oui, non, ben vous, je ne vous parle pas, hein. Bon. Notre village avait été construit dans un joli vallon perdu au milieu des montagnes. Oh, il ne s'était pas fait en un jour, hein, comme les villes modernes. Non, les maisons étaient apparues l'une après l'autre, chacun construisant la sienne au fur et à mesure des mariages ou des naissances. Nous vivions simplement. Mais nous étions fichtrement heureux, hein. Et si l'on excepte quelques disputes, je peux dire que nous nous entendions tous très bien. Moi, voilà, je m'occupais des moutons. Oh, pas des miens, je n'en avais point. Mais de ceux de tout le village. Il y en avait plus de 100, une sacrée responsabilité, hein. Puis, les années ont passé. Oh, le monde a beaucoup changé. Pas dans notre vallon, bien sûr, mais dans les villes alentours. Alors les jeunes ont voulu tout connaître, hein, cette nouvelle vie, avec les voitures, la télévision, le cinéma. Ils ont quitté le village, tous, les uns après les autres. Nous n'étions plus que quelques-uns dans le hameau. Nous ne nous parlions presque plus. Chacun restait chez soi à se souvenir, à rêver que le village retentissait à nouveau des cris des enfants. Et tous ces rêves s'accrochaient aux murs et aux toits des maisons, aux vieux ponts, à toutes les cheminées. Et peu à peu, le village est devenu léger, léger. Et par un matin de printemps, à l'heure où le soleil fait monter la brume tout en haut du ciel, notre village, porté par nos rêves, s'est élevé lui aussi avec les nuages. Et depuis, il a tourné tranquillement au gré des vents autour de la terre. Jusqu'au jour où vous êtes arrivés pour tout gâcher. Oh, vous voulez dire que nous avons transformé de façon géniale votre petit nuage. Oh, parlons-en. Vous avez tout abîmé ici. Je ne retrouve plus rien. Allons, calmez-vous, Emilien. Vous nous avez promis de nous laisser parler. Ah, c'est bon, je me tais. Je ne peux jamais rien dire, moi. Quel vieux grincheux. Bien, chers nouveaux amis, Patanok, mon fils, et Nuka... Ma nièce. Oui, se sont déjà présentés. Je laisse donc la parole à Calamine. Oh, merci, merci. Je m'appelle Calamine. Je suis la mère de Patanok. Je fabrique dans mon atelier des gouttes de pluie ou de rosée pour les pays qui en ont besoin. Ah, j'oubliais. J'ai une jolie peau violette. Moi, je n'ai pas dit que j'étais bleue. Ni moi, rose. Eh bien, maintenant, la parole est au jaune. Moi, Paltok. Alors voilà. Je suis pilote de Spatioglobe ou de tout autre engin de l'espace. Je suis mécanicien, électronicien et programmateur d'ordinateur. Et c'est d'ailleurs moi qui ai programmé Ding Ding, l'ordinateur qui est capable de piloter notre nuage. N'est-ce pas, Ding Ding? Ah non, ce tas de transistors ne va pas venir se mêler de la conversation, hein. Il commence à me chauffer les oreilles, celui-là. Vous commencez, vous,
à me chauffer les transistors. tu n'es qu'un mal élevé. Eh bien, je vais peut-être pouvoir me présenter à mon tour. Si tu crois que ça peut intéresser quelqu'un, vas-y. Bien sûr que ça intéresse nos amis. Je suis le plus intelligent de tous les abats. Il n'y a pas de quoi se vanter, hein. Vous devriez surtout parler de votre talent d'artiste. Ah, c'est vrai. Je suis depuis mon arrivée sur ce nuage créateur de flocons de neige. Un travail très délicat puisque chaque flocon doit être unique. Et attention, je ne fais pas n'importe quelle neige. C'est de la neige spéciale boule qui tient bien sans qu'on ait à la tasser trop serrée. Parfait. Maintenant, tout est dit. Après tout, le fait de vivre sur un nuage ne change rien. Ah si! Par exemple, il n'est pas facile de danser sur un nuage. Ah, Patanok a raison! Pour bien danser sur un nuage, il faut avoir le pied marin. Ça bouge quand il y a de l'orage et ça fond les jours de crachin. Moi, je connais bien les claquettes. Moi, je préfère le twist anglais. Tu ne te casses pas la tête. J'essaie surtout de m'appliquer. Pour bien danser sur un nuage, il faut avoir le pied léger. Elle tremble toutes les maisons du village quand on tape un peu trop du pied. Bravo. Maintenant, c'est à moi. Ah, mais non, je veux chanter, moi. C'est ma question, j'ai plein de choses à dire encore. Tant pis, la parole est à moi. Silence, taisez-vous. Vous n'allez pas recommencer à vous disputer. Tu as raison, Patanok. Ça ne peut plus durer. Oui, mais il faudrait que l'un de nous ait le pouvoir de décider qui doit parler. Si je comprends bien, vous voulez que nous ayons un chef. C'est ça. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. Moi, je trouve ça génial. On ne se disputera plus jamais. Bon, puisque tout le monde est d'accord, qui voulez-vous comme chef? Moi. Eh bien, au moins, pour une fois, nous sommes tous d'accord pour penser que nous ne serons jamais d'accord.